Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode, enfin pas du tout pour un tout nouvel épisode, pur pour une toute nouvelle vidéo sur pas grand chose, simplement parce que j'ai juste envie de vous parler, ça va, la vidéo va durer pas très longtemps, hein, ne vous en faites pas. Oui, je compte à terme refaire du Heart of Iron 4. Oui, je compte à terme refaire. Oui, je suis très nul, je suis une grosse merde à Heart of Iron. Je sais, je le sais, ne vous en faites pas. Mais j'ai besoin de vous en fait, parce que je suis nul, ça on le sait, donc je vais devoir m'entraîner, ça je le sais, pour au moins être un peu moins nul et pour vous mettre au moins un petit truc assez sympa, mais je serai toujours aussi nul. C'est comme mes débuts sur GPS4, j'étais une grosse merde au début, quand vous regardez mon let's play avec la Russie, que vous me regardez mon let's play avec le Togo maintenant, voilà, il y a énormément de différences. Ça sera un peu la même chose avec Heart of Iron. Du coup, il faut que je rejoue, il faut que je me replonge aussi sur les vidéos de The Overmoon Project. D'ailleurs, je demanderai à Over de m'aider. Si jamais j'ai des questions, il m'aidera. Hein, y a aucun, enfin, je lui demanderai sur Discord, vu que j'ai son Discord. Et s'il est sur la vidéo, bah coucou Over, j'espère que tu pourras m'aider, parce que des fois il regarde, donc coucou Over, si jamais. Je vous conseille leur chaîne, The Overmoon Project, ils sont deux, donc avec Over qui fait du Heart of Iron, mais je crois que tout le monde les connaît, enfin en tout cas dans ma chaîne. Mais voilà, je compte refaire du Heart of Iron, et ce que je souhaiterais vous demander en fait, c'est est-ce que vous pouvez me proposer des modes de jeu très intéressants? Pas des modes de jeu genre des modes de jeu qui se déroulent au 12e siècle, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt des modes qui se déroulent après Seconde Guerre mondiale, voire même si vous avez des modes. Parce qu'il y avait un mode où il y avait tout le monde qui me disait, ouais, télécharge-le, il est sympa. C'est un mode où il y a de l'économie. Donc si vous avez des modes avec de l'économie, il n'y a pas que de la guerre, mais avec aussi de l'économie, ça m'intéresse de ouf. Ça m'intéresse de fou, de fou et de fou. Donc n'hésitez pas. Alors j'ai déjà fait un petit post communauté, un petit post dans l'onglet communauté pour que certains me disent quels sont les modes que vous me conseillez sur Heart of Iron. J'ai eu Heart of Iron. J'ai eu quelques réponses assez intéressantes. Donc voilà, celui qu'on m'a surtout recommandé, c'était Millennium Dawn. Donc avec l'argent et l'économie. Si vous avez encore mieux que le mode Millennium Dawn, bah dites-le moi. Mais j'avais pas assez enfin j'avais pas assez de personnes qui ont vu du coup cette annonce. Donc je me suis dit peut-être que je suis en train de rater des modes qui doivent être incroyables. Donc c'est pour ça que je fais plutôt une vidéo. Comme ça, tout le monde verra la vidéo, tout le monde pourra me conseiller des modes. Donc n'hésitez pas à me conseiller des modes. Ça m'intéresse énormément. Je vais m'entraîner, peut-être en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Mais voilà, je vais m'entraîner sur certains modes, je vais les découvrir surtout. Ne faites pas attention au fait que je n'ai pas les derniers DLC. Faites comme si j'avais les derniers DLC, parce que de toute façon, je vais avoir les derniers DLC, je vais tous les acheter, donc il n'y a aucun souci. Donc faites comme si j'avais tous les DLC, proposez-moi tous les modes, malgré le fait que j'ai pas encore les DLC maintenant. Mais faites comme si j'avais tous les DLC. Proposez-moi tous les modes que vous pensez intéressants, où il y a de l'économie, où c'est post-Seconde Guerre mondiale. Non, oui, post-Seconde Guerre mondiale. Donc après Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous demander. Je vous remercie en tout cas, ça fait participer un petit peu. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'entraîner et jouer de mon côté et poser des questions à Over, s'il est pour. Non, en tout cas. En tout cas, je le remercie, je vous remercie à tous. Et on se retrouve la fois prochaine, du coup. Ça sera très probablement. Heart of Iron arrivera très probablement après Cities Skylines. On verra. Mais probablement. Donc, n'hésitez pas à me poser. Enfin, à me demander. Enfin, oh là là, j'arrive plus à parler. À me donner tous les modes que vous connaissez sur Heart of Iron. Putain, sur GPS4, faut arrêter. Sur Heart of Iron 4. Et faites comme si j'avais tous les modes.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous et merci à tous.